Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire toute mignonne entre un renardeau et sa maman. Il s'agit du livre Je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive, de Debbie Gliory. C'est parti? Petit renard est de très très mauvaise humeur. Il lance sa poule, bam, ping, renverse les meubles. Oh, il s'évlan. Il râle, grogne, hurle, oh! Il casse, cogne, tape et splash! Oh, là, là, s'écrie maman. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis un vilain petit renard de très mauvaise humeur et personne ne m'aime. Oh, dit maman, vilain ou non, je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Et si j'étais un ours, m'aimerais-tu, maman? T'occuperais-tu de moi comme avant? Bien sûr, répond maman. Ours ou non, je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Et si je devenais mouche ou bien hanneton, m'aimerais-tu encore et toujours aussi fort? Bien sûr, répond maman. Hanneton ou non, je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, dit Petit Renard en souriant. Et si j'étais un crocodile? Oh, ça alors, s'écrie maman. Crocodile ou alligator, tu seras toujours mon petit que j'adore. Petit Renard demande encore. Et si l'amour s'abîme, se casse ou se déchire, pourrais-tu le recoudre, le recoller, le réparer? Ouh, là, dit maman, tu m'en demandes trop. Je sais juste que je t'aimerai toujours. Mais que se passerait-il si j'étais loin de toi? M'aimerais-tu encore? Penserais-tu à moi? Alors maman prend Petit Renard dans ses bras. Regarde, chante-t-elle, comme les étoiles brillent. Pourtant, certaines sont mortes il y a longtemps déjà, mais elles éclairent encore le ciel chaque nuit. Écoute ma chanson. L'amour ne meurt jamais, quoi qu'il arrive, je t'aimerai. L'amour ne meurt jamais, quoi qu'il arrive, je t'aimerai. Au revoir les enfants.